Alors, nous sommes samedi, il est 7h du matin, et voilà. Il y en a un qui a faim. Oui, bah, puis je me fais engueuler. Hein. Et coucou, bienvenue dans un nouveau vlog. Alors, on est samedi matin, je vais commencer par vous donner des nouvelles de mes petites dents. J'ai moins mal, j'ai beaucoup, beaucoup moins mal, mais comme c'est pas soigné, c'est susceptible de revenir. J'avais aucun rendez-vous jusqu'à hier matin, 10h. J'ai eu un coup de téléphone de la secrétaire de mon dentiste, donc ça, c'est cool, me disant qu'il y avait un dentiste et qu'il y avait de la place lundi, donc demain. Pour vous, c'est après-demain. Bien évidemment, j'ai dit oui tout de suite. Ça, c'est une très bonne chose. Mon rendez-vous orthoptique de lundi matin, j'ai dû l'annuler parce que ça tombait en même temps. J'avais également rendez-vous lundi à 14h pour ma pose d'extension. J'ai dit que je préférais déplacer parce que je ne sais pas dans quel état je vais être vu qu'il va très certainement m'arracher une dent. Voilà, donc ça c'est cool, même si j'appréhende, hein, forcément, ça fait toujours un petit peu flipper le dentiste. Et sinon, alors aujourd'hui, normalement, je dois recevoir mes deux robes de demoiselle d'honneur. Pourquoi il y en a deux? Parce que sur Amazon, c'est hyper simple, tu peux les commander et si ça te plaît pas, tu les renvoies, t'es remboursé. Surtout que, je vous explique, j'en ai pris une qui coûte genre 11 ou 16 euros, donc j'imagine même pas les tailleries qui me dit mais n'importe quoi, tu vas voir, ça va pas être beau, je sais pas, sur le c'était plutôt joli, c'est un petit peu une robe qu'on peut, c'est un peu Robocop, tu vois, tu peux la porter de plein de façons, et une autre qui est à 30 euros, donc voilà, je ferai mon choix, ça se trouve aucune ira, de toute façon je renvoie, c'est gratuit et c'est super pratique, et surtout en 2-3 jours tu l'as chez toi, donc ça c'est cool. Et j'ai reçu ce matin, je pense que, enfin c'est Emma et Chloé, la box bijoux de février. Et pour la Saint-Valentin, elle m'a l'air super grosse, ça a l'air cool. Je vais regarder ça déjà. Vous voyez, je trouve qu'elle est beaucoup plus épaisse. Ça se trouve, on a une parure, ça se trouve, il y a un gros collier, la nana qui se fait des films. Je vais regarder quand même. Bon, c'est sûr que c'est sur la chaîne des box que je dois la présenter. Ah oui. Ben non, en fait, c'est exactement la même grosseur. Je regarde discrètement. Bon, ça y est, je viens de découvrir le bijou du mois. Franchement, il est trop beau. Si on aime les bijoux dorés, il est top. Alors, je vous montre également. Ça, c'est ce que je dois retourner. Les deux pantalons, il me manque un papier de retour que je dois imprimer. Et bah, j'irai cet après-midi. Là, c'est des habits que je vais amener pour Saint-Martin, que j'ai déjà repassé. Voilà, donc j'y toucherai pas jusqu'à mon départ. Et là, on est sur un Jackie qui, comme d'hab, surveille sa maman. Voilà, on sait jamais. Il s'en passe des choses, j'ai l'impression, dans ta petite tête. Hein? Je me suis changée, comme vous pouvez le constater, parce qu'on va faire un shooting photo. Voilà, donc j'ai mis ce pantalon, cette chemise que j'aime tellement. C'était la collection l'année dernière de chez Kiabi. Ils ont des fringues sympas, d'ailleurs. On doit y aller. Moi, je dois me chercher une robe longue pour être vraiment à l'aise pendant les vacances. Et comme il fait beau, bah voilà, un petit shooting photo pour compléter un petit peu, pour avoir plus d'images, de photos pour mon Insta. Mais avant de partir, justement, j'ai envie de mettre un rouge à lèvres rouge et je vais vous montrer. J'ai reçu, voilà, bah, je vais vous montrer. Je vous disais donc que j'ai reçu ce kit pour la Saint-Valentin parce que c'est des produits aussi bien pour hommes que pour femmes. Donc c'est super sympa. Je les ai reçus gratuitement par le biais d'Octoly. Et bah, c'est la marque Clinique en fait. Je viens donc d'essayer le rouge à lèvres, c'est plutôt joli, hein, je trouve, avec cette tenue. C'est un mat, hein, c'est le Clinic Pop. Ce qui est top, c'est qu'il est mat, mais il a une base hydratante. C'est ce qu'on aime, parce que c'est vrai, quand ça tiraille, ça file dans les plis, c'est pas terrible. Et très agréable. Hein. C'est le Ruby Pop numéro 3, la teinte, si jamais ça vous intéresse. De toute façon, je vous mets le petit code. Ils m'ont donné un code promo pour avoir un bon de réduction sur l'ensemble de la boutique. Et dans ce lot spécial Saint-Valentin, j'ai reçu également le mascara Clinique, le Height Impact mascara que je connais, que j'ai déjà testé, il est très bien. Il a ce côté donc allongeant, perso c'est ce que j'apprécie. Donc pour l'avoir testé, franchement je valide, c'est en teinte noire en fait, c'est le 01. Et pour les hommes, on a donc un hydratant concentré anti-fatigue qui va venir un petit peu booster la peau. Et ce qui est vraiment très intéressant je trouve, c'est qu'il y a un SPF de 40, donc c'est UVA, UVB, et c'est pour anti-lumière bleue. On nous précise également que c'est 100% sans parfum et que ça a été soumis à des tests d'allergie. Et on retrouve forcément le contour des yeux, c'est pareil, hein, c'est pour venir en fait défatiguer, c'est anti-poche, anti-cerne,
Et le mieux, c'est de le mettre pareil dans le frigo pour venir décongestionner son contour. Il est super agréable en plus. Donc voilà. Je vous reprends de chez Kiabi. Il y a un des deux paquets naf-naf. Ils peuvent pas me le prendre, je comprends pas. Bref. Là, on cherche quoi ? Un chapeau et moi, je cherche une robe, mais je crois pas que ce soit sorti la collection. Là. J'aime bien ce petit pull. J'aimais beaucoup, mais taille L, non. Je crois que c'est le dernier modèle. Je vous ai pas montré mon petit look. Je vous ai pas repris depuis un bon moment, en fait. Là, on va faire une petite séance photo, comme je vous le disais. On trouve un endroit qui soit un petit peu mignon. Moi, je suis rentrée de... du shooting photo. J'ai quasiment pas vlogué aujourd'hui. C'est de la folie. Bref, sinon, c'est sympa. J'ai fait des... Oh, super joli l'éclairage jaune. On a fait des jolies photos. Si, je vous montre. Je me suis trouvé ce petit t-shirt chez Cash Cash. Voilà. Tout simple. French Provence, taille XS, 7 euros. Donc il était à 70%. Et là, bah écoutez, vous savez quoi? Je vais installer la deuxième lampe comme ça pour la mettre ici. Bon bah au final je l'ai pas monté. Je préfère que ce soit Eric qui le fasse. Là je l'embête pas, il est en train de travailler sur l'enregistrement. Je pense qu'on le fera demain. J'ai aucune motivation, j'ai coup de barre sur coup de barre. Et après réflexion, je ne vlogue jamais une samedi. J'avais pas capté, on est samedi. Comme j'ai pas fait de vlog, j'ai fait d'autres des face cam hier avant-hier, je crois que ça m'a foutu dedans. Mais c'est pour ça, je suis plus dans la dynamique en fait. Voilà, j'ai profité de ma famille aujourd'hui. Résultat, il est 8h et j'ai l'impression que je n'ai absolument rien vlogué. Ce soir, c'est pas compliqué, je pense qu'on va se regarder. Enfin, quand je dis on, c'est pas Eric, hein. Ma fille et moi, on va regarder la première, ouais, je pense, de The Voice. On a quand même Jackie qui est là, tranquillou, il est calmé. Il a été, mais d'un relou aujourd'hui, depuis ce matin, à vouloir manger, je sais pas ce qu'il a. Il arrête pas de pleurer, il veut des croquettes tout le temps, je crois que c'est de ma faute, j'ai déconné, c'était avant-hier, je crois. Je lui ai donné plusieurs fois dans la journée, forcément, il est intégré, et là, il me réclame. Donc, on va sevrer, on va calmer, on va reprendre les horaires. Voilà. Et d'ailleurs, papa, il a dit que lorsque moi, je serai pas là, il m'a dit ça va pas se passer comme ça. Hein. Ça sera 18h pile, la croquette, point barre. Et le matin, 8h du matin, pas avant, pas après. Ça va devenir tout drôle, mon bébé, oui. Bon, alors, je suis où? Je suis au petit restaurant chinois avec... Avec qui? C'est pas avec Jackie, c'est pas avec Eric, c'est qui? C'est avec ma fille, voilà. Coucou à tous, c'est le lendemain, on est donc dimanche, bah aujourd'hui hein, si vous regardez le vlog dès sa sortie. Alors, donc vous aurez vu que le vlog d'hier, il n'était pas très très long parce que je m'étais un peu plantée, d'habitude je ne vlog pas, j'étais avec ma fille, en famille, j'en ai profité, du coup bah c'était un petit vlog assez creux par rapport à d'habitude. Et aujourd'hui dimanche, j'ai du monde depuis ce matin, il y a encore du monde à la maison de la famille, donc bah, j'ai décidé que je ne vloguerai pas, ce qui veut dire qu'il n'y aura pas de vlog... Bah demain, lundi. Les vlogs à venir vont être beaucoup plus intéressants. On va avoir le petit séjour pour la Saint-Valentin. Enfin, il y a plein de choses sympas. Donc voilà, je vais vous faire un gros bisou et clôturer ce vlog maintenant. Salut!